Mais le mec qui me tire, il a zéro puissance aussi, putain. Mais fais pas chier, putain. J'ai un gars qui fait des créneaux alors qu'il fait 15 mètres de long, il passe entre des arbres, excuse-moi. On va jouer à SnowRunner, qui est un jeu, une simulation. T'es en voiture, tu dois livrer des cargaisons sur des terrains boueux, compliqués, etc. Et moi, j'ai envie de jouer au volant. Donc ça va être rigolo. Le jeu, il est galère. C'est le jeu le plus frustrant. Là, en fait, il y avait un tuto de 35 minutes à faire avant. Mais mec, d'une difficulté, j'ai ragé. Il y a Magla, Leclerc et Edouard qui sont là. Et Magla, elle a déjà pas mal joué. Elle va pouvoir nous guider. Attendez, je veux juste aller une game très rapidement pour être sûr que le volant marche bien. Je crie pour rien, pour exprimer à quel point je suis heureux. Je suis presque bon. Il me reste juste à choper le... Rotation caméra, important. Je vérifie, hein, excusez-moi, hein. Je me mets à l'aise. C'est horrible. Mais c'est horrible. T'as quoi comme voiture, toi, Magla? J'ai un 4x4. Non, mais dans la vraie vie. Ah, moi j'ai pas le permis. Mais c'est incroyable. Mais disons que t'as le permis, Magla, qu'est-ce que t'achèterais comme voiture? Fiat 500 ou Mini Cooper? Allez hop, Magla, ah. Cliché. Arrête, c'est cliché. Cliché doigt, stéréotype. J'aime bien les Tesla, j'aime bien les Audi. Les dernières, elles sont trop belles. Ah. Et les Mustang. Mais c'est incroyable, là-haut. Mais c'est quoi ce jeu vidéo? Très bien, on va pouvoir rejoindre du coup nos amis. Donc mais c'est quoi notre coop, Magla, t'as joué un peu? C'est comme quand tu joues tout seul à livrer des trucs et tout. Sauf que tu peux choisir ta map, nous on a choisi la neige. C'est trop bien. C'est toi ça? Allez, c'est toi, je te vois. Oh mais oui. T'as un putain de buggy, la chance. C'est qui un 4x4 là-haut? C'est moi ça. Oh mais arrête, tu... Oh mais oh, mais vous cassez mon truc. Cherché aussi. Non mec, t'as de la chance, hein. Je peux pas sortir de ma caisse et commencer à te tirer dessus. T'as de la chance, hein. Bon, sélectionnez la mission et let's go. Il faut livrer des pièces de rechange au pipeline. Mais on va les chercher. Ah non, qui est tombé? Non mais on peut pas commencer comme ça, on est même pas parti. Mais aide-moi alors, putain. Mais comment tu veux que je t'aide? Si je te rentre dedans, ça va rien changer. Oh mais t'es relou le client. Utilise ton treuil. Comment ça je suis relou? C'est Magla qui m'a fumé. Attends, je le tire. C'était pas compliqué quand même. Ok, c'est parti. De toute façon, il faut un camion là-bas. Magla, elle est en touriste quoi. Elle sert à rien, elle a pas de camion. Bah, en soi, elle peut. Alors, moi, je suis là pour vous treuiller quand vous serez dans la merde. Donc, vous êtes mignon. Ouais. Ok, ok. Vas-y, avance devant moi. Avance, bordel. Bon, je force de passage. Allez, à toutes. A bientôt, bande de tocards. Oh putain. Tu veux que je t'aide? Moi, je suis parti. J'ai une mission à réaliser, je suis parti. Magla. Wow. Et d'où tu driftes là? Attends. Ok, donc attends, il faut que je m'accroche. Attends, non, c'est bon. Ok, mais c'est pas réaliste, mec. Dans la vraie vie, je roule là quand même. Putain. Et voilà, ils rachent déjà. Pourquoi ils sont pas avec nous? Je sais pas, ils ont fait leur vie tranquille. Vous êtes allé au mauvais endroit. Il fallait prendre une cargaison avant de la livrer. Vous êtes allé à l'endroit sans la cargaison. Donc je suis le seul à bosser dans cette compagnie de routiers. Et ça commence à m'agacer. Moi, je te bute. Mais je vais te sauver, mais t'es où? Je suis là. Alors je t'explique, au Canada tu sais il y a 6 mètres de neige, je roule en Tesla tranquille avec des pneus, mais là dans ce jeu mec, j'ai 40 pneus qui font la taille de ma maison mec. Je te dépanne. Et je roule pas dans 3 cm de neige. Voilà. Mais pourquoi la neige directement, okay, putain? J'ai besoin de vous ici, ça bloque. Surprise. Ah, c'est une bonne idée, en vrai c'est une bonne idée de se porter là. Oh merci, c'est une bonne idée, refaites ça, c'est bien. Je vais me mettre devant si t'as besoin que je tire. Magla! Oh, ça va ou quoi? Envoyez. Aide-moi! Non! Mais si, aide Locklear, il s'accroche à moi en plus, le boss! Moi j'ai pris cette livraison très à cœur, alors voilà, je prends les devants. Et toi tu prends les devants pendant que nous on t'a poussé, Squeezie? T'as pas honte là? Tu nous laisses dans la merde tout seul derrière? T'as pas honte? Et voilà! Le contrat est fait! Bravo tout le monde, on a de la thune. Vas-y, on va se faire un autre contrat. Je pense qu'on va faire la livraison de carburant. Oui, ok, il faut aller au site de forage. Ok. Site de forage tout droit, messieurs! Droit devant! Attends, mais qui m'a treuil là? C'est moi, désolé. Vas-y, attends. Tu veux que je te treuille? Ok. Je suis mort. Mais il rend ouf lui. Vas-y, tant pis. Mort. Comment ça, tant pis? Moi, je me casse. Quoi, moi, toi? Eh, mec, tu me laisses là. Tu me laisses là, frérot. Ça va, t'arrives à suivre, excusez-moi. Je suis Keblo, j'ai besoin d'assistance Magla. J'ai besoin de l'assistance Magla. Attends, j'assiste Locke déjà.
Attends, putain. Mais lui, c'est un poids pour l'équipe, il est sans arrêt bloqué. Attends, comment ça, je suis un poids pour l'équipe? T'es un poids pour l'équipe, mon pote, ouais. Je suis le seul dans cette compagnie de routiers qui arrive à te dire les choses dans les yeux. Je t'en supplie, Magla, j'ai besoin de toi. J'arrive. Attends, faut pas que je me mette dans le décor non plus. Vas-y. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche. Vas-y. Vas-y, tu me décoinces bien là. Vas-y. Ouais. Allez, vas-y. Ok, je me suis détaché, je crois que je suis bien là. Ok, tu me dis, je reste devant. J'ai besoin d'aide. Mais quel plaisir t'es censé avoir à jouer à ce jeu, bordel, je comprends pas là. Oui, c'est tout. Y'a un bouton pour le troll rapide, les gars. Un bouton rapide. Ou ils ont pas pensé à ça parce qu'ils ont aucune notion de jeu vidéo et. Donc plein de bordel, on pilote. Arrête de te plaindre là, y'en a qui galèrent, bordel. Y'en a qui galèrent. Attends, mais je vais vérifier qu'on va au bon endroit parce que si on va pas au bon endroit, je vais pleurer quoi. Je vois le prochain jeu qu'on va jouer. Oui, je le vois. Ah, c'est hyper drôle ça. Mais attendez, mais on va faire combien de putain de kilomètres dans ces conditions? J'en ai ras le cul moi là déjà. Bah c'est un jeu, c'est comme Mud Runner hein, c'est un jeu de camion dans la boue hein. Non mais en fait les amis, je crois qu'on a lancé une mission et qu'on n'a pas le véhicule adéquat. Mais je pense que vos camions ils sont absolument pas faits pour ça hein. Mais oui, moi mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le jeu adéquat pour mon ordinateur. Arrête toi. Je suis coincé. Oh mais les gars, le chemin devant, j'ai pas envie de vous spoiler mais c'est encore pire. Ça va être l'enfer là. Alaska les amis, si t'as pas de 4 roues motrices, c'est mort. Ah c'est sûr. Ah mais c'est sûr mec, je suis en train de souffrir, j'ai mal au poignet frère. Donc retournons au Michigan, c'est la zone de base et tout. Les gars, on va faire la mission qui s'appelle des tuyaux en or. Il faut aller chercher une citerne à carburant lourde. Et ensuite, il faut aller chercher 2 briques et une poutre en métal. Les amis, il faut se splitter. Nous, on va aller chercher la citerne à carburant lourde avec le clear. Je veux au moins qu'on réussisse une livraison avant de bouger. Allez, t'es le boss, c'est confiance en ta belle machine. T'es le boss. J'ai confiance. T'as confiance? J'ai confiance. Allez. Je suis mort. Allez, viens. Accroche-toi à moi, vas-y, viens. Ouais, je suis mort. Non, allez. Dans la vraie vie, t'accélères, le camion il avance. Mais écoute, en fait, putain, dans ce jeu, mec, le but c'est d'être bloqué. Le but de ce jeu c'est d'être bloqué. Zen, tout va bien, ça va aller. Log, refais ta manœuvre, descends et refais ta manœuvre, fais un effort aussi. Tu me bloques. Je te bloque pas, t'avances pas, pauvre type. J'ai activé le bloc différentiel, je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai activé. On y va là. Le bloc diff, ça va te permettre sur la boue de, que ce soit plus simple, en fait c'est la vitesse plus basse. Oh putain, le bloc différentiel ça gère sa mère. Mais oui, ça te sauve la vie hein. Oh, allez Locke, on rocks mec. Je suis bloqué, j'ai besoin de toi. Plus maintenant. En fait ouais, mais... Je pensais, ouais. Faut que tu te trailles. Mais il y a des arbres mec. Vas-y Spider Cochon. Je suis bloqué. Je crois que... Ouais putain. Ok, je pense qu'ici ce n'est pas la c'est pas ta mâchoire qui est bloquée à force que de. Non, t'inquiète, j'étais bloqué. Clairement, ça devrait être mieux. Allez, viens. Je suis bloqué. Ok, vas-y, avance un peu. C'est juste là, Loki, regarde notre objectif. On y arrive. Mec, j'ai enfin dépassé les 10 km/h. Oh, t'es un boss. Oh merde. Wow, la manœuvre. Elle est belle cette manœuvre, Loki. Elle est belle. Ok, c'est ici que t'as un truc à prendre. C'est la citerne à carburant lourde. Et elle est plus loin, on va la voir. Regarde, elle est là, Loki, regarde juste derrière. Regarde, on la voit. Mais je peux pas la prendre, ça. T'es un ouf, c'est du décor, ça. Non, c'est pas du décor. Oh merde. Attends, on y va. On va rejoindre Magla et Dwag sur la route. Joue bien et ne renverse pas ta remorque, sinon la mission elle est loose, Locke, je t'en supplie. Attends, c'est Locke qui a la remorque, mais c'est la pire idée. Non mais ayez confiance en lui. Ouais, ayez confiance en moi, je suis un pro gamer, ça reste un jeu vidéo les gars. Là on est bien là. On est bien là. On fait une très belle file indienne. On va rejoindre Dwag et Magla et on va être trop content de. Tout ça pour 3 000 $, les meilleurs véhicules coûtent 150 000, c'est bon? C'est bon pour moi. C'est bon, tu me dis. 1 hour later. Allez, on passe la boue. Okay. On fait un grand tour. Cette citerne, on va la livrer, je te jure. Même si ça doit prendre un siècle, on va la putain de livrer. On va la livrer, les gars. On va la finir cette mission. On va livrer cette merde, les gars. Ça n'aura pris que 4 heures. Venez pas ici. Quoi? Pourquoi venez pas? Venez, c'est une erreur de parcours. Oh non. Pas trop. Ah mais je sais comment on va l'esquiver, on va prendre la droite nous avec Locke pour éviter la mer. On va tomber sur Dwag tôt ou tard et d'ici là il s'en sera sorti, t'inquiète. Les amis, je commence à kiffer le jeu par contre. Ah, tu vois, il fallait le prendre en main un petit peu là. Doucement. T'inquiète. Pense aux roues arrière. T'inquiète, je fais tout doux. C'est beau là. Prends le large. M'apprends pas à conduire mon camion frérot. Excuse-moi, je me suis emporté. T'es comment niveau essence? Oh ça passe. Magla, j'arrive. Je suis nickel. C'est bon, je m'en suis sorti. Attention, mec, on a 3000 litres. HF pour passer ici. Ok, attends. Là, c'est là que les emmerdes commencent. La plaque d'eau, elle est trop dure. Faut faire le tour, là, par là. Mec, c'est mort, je rentre pas là-dedans. Ne tombe surtout pas à droite ou on est mort.
Non, 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 je t'en supplie. Je vais te pousser. Ok, je vais te pousser au cul. Non, t'as pas besoin, c'est bon, je suis débloqué. Donne-moi un itinéraire, mec. Je vais passer à gauche là. Non, y'a de l'eau. Non, je vais passer à gauche, mais on va te perdre. On va te perdre. Y'a quoi derrière les arbres, mec? Y'a rien derrière les arbres. Mais tu pourras pas passer à travers les arbres, Locke. C'est mort, c'est fausse route que tu viens de faire. Tu mens, gros. T'es mort. T'aurais jamais dû aller là en fait. C'est un bon chemin. Mec, tu peux me sortir de là, je te jure. Vite fait, ouais. Non, mais t'es bloqué, frère. Là, elle se passera pas, ta citerne. Là, je suis tout droit. Aide-moi tout droit là. Mec, si on a fait tout ça pour pas arriver à destination, je vais me foutre en l'air. Là, je passe, frérot. Aide-moi. On peut le faire. Mec, il faut que tu te pousses. Mais putain, tu veux que je vienne t'aider et après tu me dis, il faut que tu te pousses. Mais va chier. Troy à gauche. Je suis bloqué. T'as assez? Je suis mort. Non. Je suis mort. Je suis mort, c'est de la vase. Troy à gauche. Oh. Non. Oh. T'es dit, allez, voilà, maintenant sauve-moi. Allez, viens là. Allez, bébé. Allez, grosse mère, viens là, putain. 5 minutes later. Accroche-toi à moi, Locke, là. Accroche-toi à la vie, d'accord. Je veux plus. Les gars, j'ai l'impression que c'est un échec et il y a des gens qui nous attendent pour jouer à d'autres jeux. J'ai l'impression que c'est un échec cuisant, là. Moi, je pense qu'on peut vous sauver. On peut vraiment vous sauver, hein. J'arrive, les bros, j'arrive. Putain, j'ai envie de voir cette situation loufoque. Mais ta citerne, elle est kéblo entre deux arbres. Mais Locke, tu vois bien que ta citerne, elle passera jamais, frérot. Elle passe. Il y a un arbre. Regarde entre le viseur gauche. Tu vois bien que ça coince et que c'est dead. Mais qu'est-ce que t'as fait, Locke? Non mais les amis, il est devenu fou. Voilà, il a perdu la tête. Après ce jeu fait pas de la tête, hein, pour sa défense. Il a perdu la tête. Non, il a perdu la tête. Mais le mec qui me tire, il a zéro puissance aussi, putain. Mais fais pas chier, putain. J'ai un gars qui fait des créneaux alors qu'il fait 15 mètres de long, il passe entre des arbres. Excuse-moi. Ah mais c'est toi à droite là? Non. Non. Attends. C'est celui dans les arbres. Sauve-moi. Attends mais je peux te décoincer, okay. Moi si je passe derrière, hein. Locke, si tu veux être décoincé, tu dois abandonner notre bébé, Locke. Tu dois l'abandonner. Il est hors de question. Solution. Attends, je suis en train de le pousser. Ouais, c'est pas mal. Tire droit. OK, je tire. Mais comment t'as fait pour te coincer comme ça? C'est dingue. C'est la physique du jeu. Oh! Allez, il va sortir là. Il va sortir. Allez, on sort notre bébé. Il va sortir, je te jure. Pousse. Tire droit. Poussez. On est collé. Allez. Oui, bébé. Oui. Je crois qu'il a réussi. Hein. Allez, je vais où? Locke, c'est là notre chemin de la liberté. Il est là, c'est ici. Ok, tire-moi de là. Mais il passe. Il passera, mec. On a fait pire, t'inquiète. On a vécu la guerre, mec. Pneu à gauche, tourne à gauche, volant à gauche. Braque à gauche. Je braque. Tais-toi. Je reprends un peu de distance, t'inquiète pas, je me replace. Putain, toi, Bill, camionneur. Locke, là, non, ne tourne plus à droite. Va tout droit maintenant, tout droit. Faut que la citerne elle passe. Voilà, dans le sens, tout droit. Voilà, c'est Locke qui va là. Voilà. Dégage. Squeezie, c'était une manœuvre dangereuse qu'on est en train de faire. Les amis, moi je vais changer de jeu, mais c'est Locke là, il est amoureux de sa citerne. On est sorti de là, bordel. On est sorti, mec. Ok, on rend l'objectif et on y va, ok. On s'arrête à l'entrepôt, pitié. Oui, promis, on s'arrête à l'entrepôt. Allez les gars, parce que là vous faites attendre 3 streamers, 3 gars qui s'étaient rendus dispo pour nous faire vibrer ce soir et vivre plein d'émotions. Sauve-moi, attends, je te donnais la mienne. Je viens de sauver, tu me parles mieux tout de suite. Passe à droite. Non, du coup, je me donne de l'essence. Locke, qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est toi, tu m'as mis au fond, Je suis bloqué. Oh non, il est mort. Attends, je te récupère. Non, arrête de bouger. Arrête. Il se roule. Je vous en supplie. T'as cru que j'allais laisser mourir? Je vous en supplie. T'as cru que j'allais laisser trop la gueule? T'as cru que j'allais laisser ces 3 streamers être heureux un peu? C'est bien, c'est très bien ce que vous faites en fait. C'est très bien en fait. Bien joué, Locke, c'est beau. Je connais, mec, je sais que tu seras la game pour finir plus vite. Je veux finir pour rejoindre 3 gars qui attendent et qui ont accepté gentiment. C'est droite, on va y arriver, les gars. Oh mon dieu, on l'a fait. Bravo! C'est là qu'il faut rendre? Ouais, c'est là. Et voilà, bien joué. On n'a jamais rendu la mission. Mais c'est pas là. Si, c'est là. Allez, on lance Project Winter. Ouais, vas-y, moi j'ai la flemme. Vas-y, lance. C'est là. Ok, pour le best-of, hein, Squeezie a scroll la game comme d'hab, hein, mais voilà. On a fait 3 heures pour un morceau de mission. Non mais ça va, me dégoûte pas, mec, me dégoûte pas. C'est de la faute de l'autre. C'était interminable.